pour départager les jeunes filles. Ce sont dans les règles du Kawan. Les règles du Kawan, les coups de genoux directs sont autorisés, tout comme les coups de poing retournés. Les coups de pied dans les cuisses autorisés également. Sarah Gascon, Yorin Delmar au coin rouge. Allez, bonjour à tous, bienvenue ici à Agde Palais des Sports. Pour la première édition du Kicks Day, vous avez eu le droit à une pléiade de combats amateurs diffusée sur la page Facebook de Fight Info. On passe un petit peu au niveau, enfin au plus haut niveau de cet événement, puisque ce sont 5 combats classe 1 qui nous attendent. Sarah Gascon et Jennifer Zaza, l'espagnole contre la française. 2 minutes, allez, faites du bruit, messieurs. Un match de 2 minutes. Sarah Gascon au point rouge, Jennifer Zaza au point 2. C'est un match international, hein, puisque Sarah Gascon est espagnole. La première partie s'est soldée par un superbe KO. Vous pouvez retrouver hein, sur la page. Alors, deux styles différents. Hein. Karine Gascon, Sarah Gascon, pardon, est plutôt rentre dedans. Jennifer Zaza, elle est pondérée. Méthodique, on va dire. Alors il y a du monde, hein, il y a environ 500 personnes. C'est un beau succès, peut-être comme 600. C'est un beau succès, hein, cette première édition de la Kicks Night. On appelle déjà une deuxième. Pas de tambour hein, dans ce combat. Vous avez bien compris. C'est très très animé. Voilà, un petit réglage son, c'est mieux comme ça. Et c'est la fin de la première reprise de cette carte principale de la Kicks Day. Trois reprises de 2 minutes, hein, c'est le format amateur, puisque c'est une édition 100% amateur. Comme l'a expliqué tout à l'heure Aurélien Cramaille, le but du jeu, c'est de faire émerger des talents. L'idée est bonne. Hein. L'idée est bonne et ce sont des talents qu'on pourrait retrouver à la Kicks Night l'année prochaine, en 2020, puisque vous l'avez compris, Aurélien va alterner une année la Kicks Day, une année la Kicks Night. Voilà. Concept intéressant à souhaiter. Merci. Allez, deuxième reprise. Match international franco-espagnol à se faire. Ouais. Sarah Gascon. Prise par la patrouille, on ne saisit pas la jambe, formellement interdit. Il y a une belle sélection hein, de combattants espagnols dans cette carte principale. 5 combats. Elle durcit clairement hein, Sarah Gascon. Serre les dents, on essaye de travailler au corps. Elle est assez stoïque. Jennifer Zaza.
qui trouve hein, bien le visage avec ses poings. C'est un peu l'antichambre hein, des pros. Quelle débauche d'énergie, ça pique bien au corps. Des deux côtés, les genoux passent bien. Le contre en genou, le middle, elle est mieux, Sarah Gascon dans cette seconde reprise. Elle touche durement et avec les poings, avec les jambes. Hein. Jaza qui trouve à son tour une faille en point jusqu'à la fin de cette deuxième reprise. Elle est mieux Sarah Gascon dans cette deuxième reprise, ce qui équilibre un petit peu les débats. Reste une reprise hein, dans ce combat, premier combat dans ce premier combat de la carte principale. Dans les règles du K1, Jennifer Zaza la française face à Sarah Gascon l'espagnole. Soigneur dehors, merci. Allez, faites du bruit là, c'est la troisième. Et la dernière. Ah, il n'y a pas de temps mort du tout. On est pourtant dans la troisième reprise. Il y a une grosse débauche d'énergie. La première et deuxième, mais ça ne rompt pas vite. Il y a Aurélien Cramer qui va nous dire forcément quelques mots. C'est plaisant. Non, c'est plaisant, ouais. Il y a des beaux combats cet après-midi. Même en amateur, il y a eu des beaux petits échanges. C'est bien, il y a du monde quand même qui est venu, qui s'est déplacé. Donc on est content, le public a suivi. Et on est heureux, ouais, on est heureux parce que bah, ça fait boxer les jeunes. Et ça marche, et il y a l'ambiance. C'est un concept à renouveler. Ah oui, tous les deux ans, comme on a dit, une année Kicks Day, une année Kicks Night. Ça va être pérennisé comme ça. Une année le gros gala pro, et une année les amateurs et les semi-pro. Qu'on retrouvera peut-être à Kicks Night par la suite. Qu'on retrouvera peut-être à la Kicks Night par la suite. Oui, et oui. En décembre l'année prochaine, normalement c'est calculé. Et voilà, tout est dit. On va revenir hein, sur le combat. Allez, un peu de fatigue hein, dans cette fin de troisième et dernière reprise. C'est la carte principale. Quelle énergie hein, chez les deux femmes. Hein. Il y a Samir Majoubi, il n'y a pas longtemps, qui a dit que les filles faisaient de plus en plus le show, peut-être même plus que les garçons. Ces deux-là pourraient les retrouver dans une revanche à la Kicks Night. Hein. C'est pas possible. Les genoux d'un côté, les poings de l'autre. On ne lâche pas, c'est serré, hein. C'est vraiment serré. Et c'est la fin du combat. On va attendre la décision évidemment. Mais c'est une belle entame. Hein. Bleu, Jennifer Zaza. Allez, Jennifer Zaza qui s'impose au point. Félicitations quand même. Bravo à Sarah Gascon qui n'a vraiment, vraiment pas démérité. Qui a fait front jusqu'au bout.
Un grand merci à Clément, à Sébastien, merci au restaurant Le Jardin, merci à Libéru.